Hey, salut à tous. Aujourd'hui, c'est Spartan Tilk, Opportuniste et Red Link pour vous présenter le Spartan Ops de Halo 4, comme vous savez, le nouveau mode de jeu. Donc, les gars, comment ça va? Aïe aïe aïe, la Yeah, patate, ça fait plaisir. j'espère que vous êtes en forme, les gars, parce que ben, on va faire une bonne vidéo pour présenter ce mode qui est assez peu connu en fait, qui se fait discret quand même pour ce Halo 4 et qui est pourtant à qui délivre quelques petites choses importantes et une jouissance très importante pour le jeu, puisqu'il va donner. On va pas dire tout de suite, hein, on va laisser par exemple, je sais pas, Opportuniste, est-ce que tu veux nous dire un petit peu plus en détail ce que c'est le Spartan Ops? Bon, le Spartan Up, à ce que j'en sais, parce que bon, je sais pas trop, parce que. En fait, voilà, c'est en quelque sorte une toute nouvelle formule, c'est le Baptême du Feu, version Halo 4 ou version 343 Industries. Et c'est plus vraiment des cartes avec des vagues successives d'ennemis. Le jeu, il se complique vraiment davantage. Il offre plus d'objectifs sur chaque mission de jeu. En fait, voilà, c'est plus t'arrives sur la carte et hop, il y a la première vague qui débarque, deuxième vague qui débarque, etc. Là, t'arrives sur la carte et t'as des objectifs. Enfin voilà, tu te fais larguer en vaisseau ou un truc comme ça. Et puis voilà, dans le jeu, au fur et à mesure de la mission, t'as des objectifs. Et voilà, ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant, c'est un baptême du feu beaucoup plus recherché, beaucoup plus construit qu'avant. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. C'est cool, ça donne Voilà envie parce tout. que le BDF, il y avait un petit truc qui manquait, hein, je sais pas vous si sur Halo Reach, hein, il y avait un petit truc, au bout d'un moment ça devenait fade. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment mort, c'est sans vie. Enfin, c'est vraiment des vagues qui viennent et tu continues, là, c'est vraiment Ah, beaucoup c'est plus ça aussi intéressant. d'ailleurs, c'est que le baptême du feu, c'était, enfin c'est toujours, parce que ça existe toujours, mais c'est vraiment comme du matchmaking, sauf que la différence entre le matchmaking et le BDF, c'est que le BDF, c'est plus ou moins une façon d'aborder la campagne, enfin la campagne dans le sens jouer tout seul contre des bots, ou avec des bots, mais en tout cas surtout contre des bots, comme ça en ligne. Et il n'y avait aucune scénarisation, quoi, voilà, t'arrives, comme l'a dit Oppo, t'arrives, tu fais ta première balle, tu tues, voilà quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de scénario à proprement parler. Et là, ils ont réglé le truc avec Spartan Ops, et c'est vraiment, je pense, quasiment la grosse nouveauté d'Halo 4. Et même si, comme tu l'as dit, ils n'en ont pas trop parlé, enfin, ils n'ont pas mis trop le focus dessus, mais je pense qu'en effet, ça va être un truc assez intéressant dans le jeu et à surveiller de près, je pense. Ouais, je pense, ouais. Bah, puisque tu as la parole, Red Link, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien il y aura de cartes en fait dans ce mode de jeu? Alors bon, encore une fois, c'est vrai que 343 ont pas tout divulgué, ont pas été très 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 précis par rapport à ça. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est un mode de jeu qui est forcément voilà, complètement inédit par rapport à la série Halo, hein, en particulier par rapport à Halo 4. Hein, comme je l'ai dit, dans les anciens Halo, on n'avait jamais eu ça déjà. Et en gros, ce qui est prévu, en tout cas pour le moment, ils nous ont prévu 5 nouvelles cartes qui viendront, donc par semaine. 5 nouvelles cartes, donc ils ne nous ont pas précisé si c'était des cartes tirées directement de la campagne ou complètement inédites. Mais en tout cas, 5 cartes par semaine. Et donc, pour justement un petit peu introduire ces cartes et les missions qu'il y aura sur ces cartes, il y aura des cinématiques à chaque fois qui, selon eux, devraient approximativement être dans les 5, 6, 7 minutes, normalement, à chaque fois. Et donc ça permettrait justement de nous mettre un peu dans le bain et nous recadrer dans la mission, savoir où aller, ce qu'il faut faire, quel est le but de la mission, voilà quoi. Et donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que justement, même si ces cartes-là, on ne sait pas si elles seront liées à la campagne, complètement directement tirées de la campagne ou quoi que ce soit, ce qu'on sait par contre, c'est qu'apparemment ce Spartan Ops sera plus ou moins lié avec donc la campagne d'Halo 4. On a laissé entendre que ça se situerait après. Et bref, tout ça pour dire que chaque semaine, ces épisodes qui sortiront, enfin ces missions, formeront un épisode, ce qu'ils appellent un épisode. Et donc on dit que normalement, par exemple, pour la première semaine, les 5 missions qui vont sortir, et la cinématique qui va avec, ça formera donc un épisode pour la sortie du jeu, en gros, quoi. Ouais, et puis ça continuera comme ça pendant. Ça, on sait pas vraiment combien de temps ça va durer, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, enfin on sait que ça sera pas infini quoi. Mais au final, ça fera vraiment pas mal de cartes. Et c'est ça qui va être bon quoi, on va pas s'ennuyer. On aura toutes les semaines quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Et un autre truc qui risque d'être intéressant, c'est que, bon, comme Red Link a dit, il va y avoir des épisodes.
Mais un épisode, ça dit aussi des saisons. La première saison, c'est celle qui sera gratuite avec le jeu, parce que oui, toutes les semaines, 5 cartes gratuites. Donc ça fait plaisir quoi, c'est comme si on avait des DLC gratuits régulièrement comme ça. Mais il est possible qu'il y ait une saison 2 qui soit, on va dire, payante, elle. Donc on sait pas vraiment le prix, mais ça a été envisagé qu'une saison 2 pouvait arriver, payante, pour compléter un petit peu la chose. Puisque l'histoire se passe après Halo 4, donc peut-être pour une mise en matière pour Halo 5. Donc à mon avis, ils verront après... selon comment il commence à Halo 5, pour faire un trait d'union quoi, entre les deux. Filtrer des genres d'indices par rapport au scénar d'Halo 5 ou des petits clins d'œil, c'est possible. Hein, ça, c'est connaissant un peu, Bungie, mais ma 343 sont un peu dans la même lignée que Bungie. Ils ont toujours aimé faire un peu ce qu'ils appellent les easter eggs et compagnie. Donc ce serait pas étonnant, ouais, j'avoue, pas étonnant du tout même. Bon alors, comme on dit, donc ça va se passer quelques mois après la fin de Halo 4, donc ça donne fin, donc Halo 4, ils seront pas tous morts, c'était une éventualité, pourquoi pas tout le monde serait mort à la fin de Halo 4, et là non. Et donc les bases du scénario, c'est Opportuniste qui va nous les expliquer. En fait, on sait pas vraiment grand chose sur le scénario malheureusement. Ce qu'on peut déjà vous informer, c'est qu'on incarne des Spartan Cats. Et on va enchaîner des missions qui vont nous faire donc découvrir plus en détail Requiem par exemple. Et bien sûr, selon les missions, on va pouvoir affronter soit des Covenants, soit des Prométhéens. Bien sûr, on va voir aussi si ça se peut y a d'autres ennemis. Enfin voilà, par rapport aux factions ennemies, voilà. Ça sera principalement des Covenants et des Prométhéens. Parfois, il y aura même les deux. On peut affronter les deux en même temps. Ça dépend toujours aussi de l'objectif de mission. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a des missions, donc c'est intéressant. C'est pas vraiment, on va pas affronter des vagues bêtement, des vagues d'ennemis. Là, donc comme mission, il y aura donc certainement, donc c'est prévu comme des captures de zone, aller chercher un objectif, aller chercher quelque chose quoi, comme objectif, aller d'un point A à un point B quoi, pour chercher un objet spécial ou voilà capture de zone et vider une place. Mais voilà, c'est vraiment plus une simple vague d'ennemis bêtes à éliminer, voilà, il y a vraiment un scénario qu'on sait pas pour l'instant quelque chose, mais on sait que voilà, c'est scénarisé, il y a des missions, donc c'est ça qui fait aussi vraiment plaisir. Après, je crois que c'est tout ce qu'on sait sur l'histoire, quoi. Ça donne envie quand même, ça mélange un petit peu la campagne et le multijoueur, c'est vraiment sympa comme idée, ils ont une bonne idée. Par contre, il y a un gros défaut à tout ça, c'est que les cartes, donc les 5 premières, il est possible. Enfin, le premier épisode est possible qu'il soit intégré au CD, mais ce qui est sûr, c'est que tout le reste, il faudra les télécharger, et ça va vraiment, au bout d'un moment, être très lourd pour la console. Donc, pour ceux qui ont les nouvelles consoles avec des disques durs genre 250 Go, là, ils auront toute la place qu'ils veulent, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui, comme moi par exemple, ont des vieilles consoles, il va falloir déjà commencer à savoir ce qu'il va falloir supprimer pour pouvoir garder toutes les cartes. Parce que sinon, tu les supprimes, c'est pas un problème. Mais il faut les refaire si tu veux les voir. Puis si tu en cherches une particulièrement, t'es complètement paumé. Donc voilà, ça va être un gros problème, puisque au final, ça peut quand même aller jusqu'à peut-être 3 gigas, peut-être 5 gigas même. Toutes ces cartes réunies sur le disque dur, peut-être que ça peut monter même à 8-9 si tu veux installer le jeu sur la console pour pas qu'il s'abîme, pour qu'il aille plus vite dans les chargements. Donc franchement, ça va envoyer grave à ce niveau-là, et c'est un gros défaut quand même. Donc, faudra vraiment gérer pour ceux qui ont surtout les petits, les 20 go ou même les 60 go, et qui jouent pas que à Halo, qui jouent à pas mal d'autres jeux, ou même pour des films ou autres. C'est sûr, faudra gérer son espace et gérer le truc. Après, reste à voir vraiment concrètement combien pèseront les maps et les différents épisodes de Spartan Ops concrètement. Et si en effet ça monte dans les par épisode 1 giga ou plus ou moins 1 giga, voire plus selon les épisodes. Non, ça ira pas jusque là quand même. C'est... Non, mais pas par épisode, mais non, je disais par épisode, mais je pensais plus par saison. Mais saison. Bref, ouais. ça peut quand même en effet peser lourd selon ce qu'ils mettent dedans, que ce soit les cinématiques ou autre. Bon. Attendons de voir, mais c'est vrai qu'il faut que les gens sachent, en tout cas pour ceux qui sont pas au courant ou là, sachez que pour Halo 4, préparez votre petit disque dur à ce qu'ils reçoivent déjà du lourd, du très très lourd, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, opportuniste, toi par exemple, quel est ton avis sur ce mode de jeu? Est-ce que pour toi il vaut le coup, malgré ce gros défaut de place qui va falloir avoir et régler Non, selon les ça c'est personnes? clair. La place, c'est vraiment. On peut pas vraiment mettre comme défaut pour le jeu, c'est vraiment ça à nous de nous débrouiller vraiment pour ça. Mais c'est clair qu'il apporte vraiment quelque chose de vraiment frais. En plus, ce qui est bien, c'est vraiment à travers les missions qu'on aura dans les épisodes à chaque fois de Spartan Ops, c'est qu'on pourra sans doute en apprendre un peu plus sur le monde bouclier et sur ses ennemis, mais aussi également, apparemment, donc il fera aussi une sorte de pont vers Halo 5. Donc voilà, en apprendre plus sur le monde bouclier, sur nos ennemis, et en apprendre un petit peu plus davantage d'informations sur Halo 5, voilà, c'est vraiment une vraie passerelle. Comme en plus, voilà, le scénario, c'était Redding qui l'a vraiment informé au tout début de la vidéo, c'est le Spartan Ops, disons, qui se passe après Halo 4, le jeu, la campagne. Donc c'est vraiment quand 343 vont sortir les nouveaux épisodes, c'est pour ceux qui sont vraiment, parce qu'on peut, voilà, faut le dire, il y a la communauté, t'as ceux qui sont vraiment à fond sur le multijoueur, et ceux qui sont vraiment à fond sur la campagne, et les deux. Et voilà, ceux qui sont vraiment à fond sur la campagne, parce que voilà, dans Halo, on a toujours une excellente campagne. Là, de savoir que une fois qu'on a fini la campagne, qu'on aura toujours du contenu qui nous rapprochera petit à petit du prochain jeu, ça fait vraiment plaisir là aussi. Ce mode, c'est vraiment le plus gros coup neuf qu'ils ont pu apporter, et vraiment le plus pour l'instant, qui est aujourd'hui le plus discret et peut-être le plus intéressant par sa furtivité. Bon, là, on sait vraiment pas grand chose, donc c'est vraiment le plus excitant à découvrir au moment le jeu arrive, qu'on a le jeu en main, quoi. Ouais. Et donc sinon il y a d'autres petits trucs qu'on peut dire sur ce mode de jeu. Par exemple, un autre défaut quand même, c'est que si vous n'avez pas le Xbox Live, vous pouvez carrément faire une croix sur le Spartan Ops. À la limite, vous pouvez essayer avec des codes 48 heures régulièrement de télécharger, mais si vous n'avez pas le live, ben vous n'avez pas de Spartan Ops. Donc ça va peut-être handicaper quelques personnes. Il y a aussi la méthode des week-ends gratuits, donc il faut se tenir au courant, hein. Quand il y a week-end gratuit, hop, vous vous branchez, vous capturez les games et tout, et pour les avoir, quoi, parce que vous avez payé à la base pour les avoir, donc même si c'est énorme, quoi, 5 cartes par semaine comme ça, il faut les avoir, quoi, faut profiter, voilà. Et donc il y a d'autres petits points, mais on va laisser Red, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, et vous connaissez Redding, qui est une personne qui aime beaucoup parler, donc vas-y. Lance-toi, fais-toi plaisir. Bah ouais, sur les petites précisions qu'on peut apporter dernièrement là, sur les dernières petites choses qu'on peut dire sur ce mode, c'est que visiblement c'est vraiment l'entre-deux, le bon compromis entre la campagne et le multijoueur. Et apparemment on pourra aussi recevoir donc tout ce qui est les nouvelles armes et tout dans le jeu, on pourra les choisir en classe comme en multijoueur en début de game. Et en parlant aussi justement de ce lien entre multijoueur et Spartan Ops, tout comme en multijoueur, si vous voulez comparer par exemple à Halo Reach, qu'on fasse de la campagne, de la forge, je crois quasiment tous les modes on gagne des crédits. Là c'est un peu pareil, ce qu'ils appellent maintenant les points Spartan qu'on gagnera seront cumulés avec tous les autres. Voilà, ce sera comme tous les autres modes et on pourra les utiliser pour les armures et pour tout ce qui peut être acheté avec. Et donc, dernier point qu'on n'a pas évoqué mais qui évidemment ce sera le cas. Le mode sera forcément jouable en coopération jusqu'à 4. On peut y jouer tout seul si on veut, mais visiblement, d'après les dires en tout cas des membres de 343, c'est un mode qui est vraiment, peut-être plus que la campagne, vraiment axé sur la coopération et le multijoueur pour pousser justement les gens à jouer à plusieurs, car apparemment ce mode sera pas forcément très compliqué, mais il y aura certaines missions peut-être qui seront plus compliquées que d'autres, qui seront vraiment plus faites pour y jouer à plusieurs, et à la rigueur c'est tant mieux parce que c'est toujours plus sympa de jouer avec des copains plutôt que tout seul dans son coin. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur actuellement, en tout cas sur Spartan Ops. Eh bien, merci Redlink, merci aux opportunistes. Et donc, sachez qu'il y aura de temps en temps des petites news assez régulièrement sur Halo pour dire des petits trucs par-ci par-là qui n'ont pas pu être dits dans tout le dossier. Et donc voilà, donc on va vraiment vous tenir au courant sur Halo 4 et toutes ces informations. Et donc ben mes amis, moi je vous dis à bientôt Oppo, à bientôt Red. À Mais à bientôt! très Aïe très aïe très aïe, très bientôt, bientôt, oui, ça fait plutôt vous le plaisir. croyez les gens, oui. Faut rester branché pour Halo 4 sur Halo QG, aïe aïe aïe! À bientôt les gens! À bientôt! Salut Ciao! salut! Salut à Poutou tous! poutou! Vive Halo!